Oui, Jean-Claude Bonnet, et va nous parler de Louis-Sébastien Mercier. Alors, il a été pas mal question dans le cours de Mercier, parce qu'il est l'un de ceux qui a écrit les premiers textes importants sur le chiffonnier, et il est cité partout. Il est vraiment l'une des sources majeures de toute la littérature qui parle du chiffonnier au XIXe siècle. Puis en même temps, il est la source majeure de ce genre du tableau de Paris, du nouveau tableau de Paris, qui est repris à de multiples occasions. Et donc, je pensais qu'il était tout à fait essentiel d'avoir quelque chose sur Mercier aujourd'hui. Et qui mieux que Jean-Claude Bonnet, puisqu'il est l'éditeur de cette superbe édition du tableau de Paris et du nouveau tableau de Paris qui a été publié au Mercure de France il y a une vingtaine d'années déjà et qui malheureusement n'est plus disponible en librairie dans sa totalité. Je crois qu'on peut encore se procurer le nouveau tableau de Paris, mais non pas le tableau de Paris. Alors on voudrait bien qu'il sorte dans une qu'il soit de nouveau disponible, et c'est peut-être ce que nous allons réclamer après ta communication, cher Jean-Claude. Oui, merci d'avoir évoqué ce problème. Effectivement, le premier tome du tableau de Paris n'est plus disponible. Enfin, il y a tout de même le nouveau Paris, il y a Mon bonnet de nuit du théâtre, il y a la néologie, il y a les 2800 pages de théâtre qui ont été publiées, que nous avons publiées il y a 2 ans. Bon, il y a certains autres textes. Mais effectivement, autant Simone Gallimard a été passionnée par l'entreprise, cette vaste entreprise qui fait plus de 10 000 pages, dont 3 000 pages de paracritique, autant sa fille est chargée plutôt de faire des économies. Et puis c'est un peu la défaite de la littérature, sont des volumes un peu chers, comme les Pléiades. Voilà, mais je suis toujours très un peu énervé que la mairie de Paris finance beaucoup de livres sur l'histoire des chéneaux, du numérotation des rues. Et quand il y a un grand texte littéraire, on ne donne pas un centime. Donc, en fait, c'est la défaite de la littérature qui s'accomplit sous nos yeux, d'ailleurs, aujourd'hui. Et effectivement, ce ne serait pas la défense de Mercier que je réclamerais seulement, mais celle de la littérature. Alors, en 1864, Charles Moncelet classait Mercier parmi les oubliés et les dédaignés. Bien des critiques et des universitaires patentés d'alors ne voyaient en lui qu'un écrivain des bornes et un Rousseau du ruisseau. On voulait le mettre au rebut, comme d'autres écrivains des Lumières, et plus particulièrement Diderot, dont Mercier procède à tant d'égards. Barbey d'Aurevilly présente Diderot comme l'infatigable ouvrier de l'encyclopédie, qui a entassé la vidange de toutes les erreurs du XVIIIe siècle dans cette infecte tine de l'encyclopédie. Barbey emploie ici le mot « tine » dans le sens de « tinette », un terme qui désigne le tonneau des vidangeurs et, familièrement, les cabinets. Ce Diderot, tellement surfait aux yeux de Barbey, annonçait, selon lui, ce matérialisme qui produit des littrés en philosophie, des courbés en art et des Zola en littérature. Déjection dernière, conclut Barbey. Mercier est donc embarqué dans cette même charrette promise à la voirie. Barbey le désigne comme un Labruyère de bas étage, comme le XVIIIe siècle lui-même est un siècle descendu. Barbey se laisse emporter ici, comme souvent, par une verve journalistique de mauvais aloi. Le point de vue de Baudelaire est tout autre. Alors qu'il souhaitait écrire une préface pour une édition du Nouveau Paris de Mercier, il écrit à sa mère en 1862 « J'ai un très beau livre à t'apporter, mais je fais un gros travail à ce sujet. Second tableau de Paris par Sébastien Mercier, Paris pendant la Révolution de 1793 jusqu'à Bonaparte. C'est merveilleux. » Je peux vous dire que dans cette édition de Mercier qui s'est échelonnée sur 20 ans, effectivement,
Le C merveilleux de Baudelaire a été évidemment quelque chose qui m'a soutenu, qui nous a soutenu, qui a été une espèce de feu vert pour se lancer dans cette entreprise. De fait, comme le pense manifestement Baudelaire, qui aimait tout particulièrement le Nouveau Paris, qui est effectivement un des grands livres sur la Révolution, qu'on, d'ailleurs on le reconnaît comme tel aujourd'hui, de fait, on ne saurait réduire Mercier au statut, comme on le fait trop souvent, au statut flou de polygraphe ou de simple pourvoyeur d'anecdotes et de petits tableaux pittoresques sur Paris. C'est un authentique écrivain qui a une expérience très diverse et impressionnante de la littérature. Il doit son premier succès à son utopie de l'an 2440, où il envisage le Paris futur avec toutes les réformes et les embellissements qui s'imposent selon les critères du temps. Il s'est fait connaître ensuite comme dramaturge en publiant une cinquantaine de pièces et surtout un livre du théâtre qui est un maillon essentiel entre les théories de Diderot et les théories du drame romantique. Son célèbre tableau de Paris en 10 volumes fut un best-seller en 1788. Et il fut suivi 10 ans plus tard, en 1799, par Le Nouveau Paris. Sa dernière œuvre notable, La Néologie, publiée en 1801, témoigne d'un rapport au vocable étonnamment moderne et offre des visions fulgurantes sur la littérature de l'avenir. Ce parcours, je voudrais vous rappeler que Mercier, puisqu'il est, il reste encore méconnu, est né en 1740 et mort en 1814. Ce parcours très, très riche nous permet de mieux comprendre pourquoi la palette de Mercier se révèle tellement riche sur le thème de la voirie qui nous intéresse aujourd'hui. Si l'économie du déchet intéresse le réformateur philanthrope qu'est Mercier dans l'esprit des Lumières, elle concerne tout autant sa poétique. Pour reprendre ce que disait Antoine Compagnon tout à l'heure sur la définition du mot voirie, alors ce qui est étonnant, c'est que le terme voirie désigne au XVIIIe siècle le lieu, la décharge publique en fait, l'endroit où on met tous les déchets de la ville. Et le terme voirie, l'acception de voirie comme police de la rue, police des rues, impôt sur les rues, problème des alignements et tout ça, c'est quelque chose qui n'est attesté dans le dictionnaire de l'encyclopédie de l'Académie qu'en 1835. Et curieusement, le chapitre voirie de Mercier reprend cette acception. Le chapitre voirie, en fait, c'est uniquement un chapitre sur la police de la ville, la police des rues et les impôts attenants. En tout cas, moi, je vais prendre le terme voirie au sens large, un peu dans toutes ces acceptions. Mercier envisage les questions de voirie en tant que piéton de Paris. Il est toujours très, très inquiet pour ses habits, pour la propreté de ses habits quand il est invité à dîner. Donc il a absolument toujours peur d'être éclaboussé par les boueurs ou de salir ses bas dans les flaques de sang auprès des tueries. C'est l'endroit où les bouchers dépècent les bœufs. Mercier adopte souvent le point de vue résolument politique de celui qui préfère, comme il le dit, la politique en détail à la politique en grand, c'est-à-dire celle de l'officier municipal plutôt que celle du ministre. C'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, une politique de proximité. Aussi, Mercier fait-il sa liste de doléances. Au moment où il écrit, l'eau de la Seine apparaît de plus en plus douteuse et l'air de la ville de plus en plus malsain. C'est vraiment un moment de crise hygiéniste, en fait. C'est le moment aériste où tout à coup, on est obsédé du danger de contagion. Mercier est le premier à évoquer Paris comme un grand ventre qui absorbe tout. J'ai d'ailleurs publié un livre l'an dernier qui s'appelle « La gourmandise et la faim » où je consacre tout un chapitre à Mercier dans ce gouffre dévorateur, dans ce qu'on peut déjà appeler le ventre de Paris. Donc ce grand ventre de Paris absorbe tout. Et ces digestions et ces excrétions que Mercier détaille deviennent à ce moment-là, dans ces années 80 du XVIIIe siècle, très préoccupantes. C'est donc à propos des déchets, avec leurs vannes mortelles et leurs infiltrations sournoises, que Mercier va le plus souvent
pousser son cri, pour reprendre une expression qu'il affectionne, c'est celle du réformateur. Il suggère ainsi la création de latrines publiques et l'assainissement des égouts, et se réjouit de voir que les débris des écarissages des chevaux ne soient plus désormais dispersés, mais recueillis dans des fosses vétérinaires. Il souhaite plus radicalement que les boues, les tueries, les fonderies de suif, aux exhalaisons putrides, et les cimetières soient désormais placés à l'extérieur de la ville et le plus loin possible. Dans Paris même, les circuits de la revente et de la récupération sont à ses yeux une des voies principales de la contagion. Les vieux vêtements, par exemple, et les cheveux acquis pour les perruques sont porteurs de germes de toutes sortes. C'est surtout dans la chaîne alimentaire que Mercier dénonce les recyclages criminels. Ainsi, des restes souvent avariés des tables luxueuses revendues par les domestiques, c'est-à-dire le regras, sur lequel, dit-il, la valetaille a bavé et qui est souvent couvert de moisissures, ou bien les tristes abats, appelés menus, objets peu agréables à la vue, mais la faim en haillons n'est point délicate. Dans un chapitre intitulé « Mai 2 », Mercier dénonce une faiseuse de beignets au bout du Pont-Neuf qui emploie, au lieu de beurre, d'huile ou de saindoux, un cambouis, un vieux ouin qu'elle semble avoir dérobé au cocher qui graisse les roues des carrosses. Vous avez des beignets à la graisse de carrosse. Le pire en ce genre est la vision monstrueuse au même endroit, c'est-à-dire au Pont-Neuf, mais à l'étage au-dessous, c'est-à-dire ce qu'on appelait le quai de la Vallée à l'époque, était le marché aux volailles. Le pire est la vision de l'engaveurs de pigeons qui leur souffle avec la bouche de la veste dans le jabot. Imaginez ce qu'une haleine infectée ou suspecte ou morbifique peut communiquer de dangereux et de putride à cette nourriture. Et l'engaveur va jusqu'à récupérer une partie de cette veste lorsqu'il coupe la tête des pigeons. Il y a une récupération absolument infecte, évidemment. En vrai défenseur du consommateur, Mercier dénonce toutes sortes de fraudes et les marchands indélicats, ceux qui mettent du foin dans les saucisses ou de la crotte de chien dans le poivre, ou les cabaretiers mélangeurs qui servent du vin frelaté, quelquefois travaillé avec du chat mort pour lui donner de la pointe. Il y avait la peur aussi qu'on mette du chat, mais c'est encore une peur très présente aujourd'hui, toujours été présente encore dans les provinces, qu'on mette du chat dans le civet. Au XVIIIe, le chat dans la gibelotte était une des peurs majeures dans les consommateurs, les gens qui allaient au restaurant. Sans compter les débris de verre qu'on trouve dans le tabac à priser et le sel douteux dans les marrons. Aussi, Mercier propose-t-il la constitution d'un conseil de santé qui examinerait à Paris tout ce qui sert à la nourriture de l'homme. En dehors de ces infâmes trafics, il arrive que le recyclage des déchets réserve quelques bonnes surprises. On appelle boyautier les gens qui commercent les intestins d'animaux pour en tirer ces cordes d'instruments qui deviennent harmoniques et sentimentales sous la savante main de nos artistes. Et c'est à partir des restes des bouchers que les tripiers produisent une huile dont on garnit les réverbères qui éclairent Paris. À partir de l'ordure, Mercier fait quant à lui de la littérature, tout comme César, Picasso et Tinguely, réalise des œuvres magnifiques à partir des débris récupérés chez les ferrailleurs. L'auteur du tableau de Paris révèle une foule d'objets et de sensations ignorées et tabous jusque-là en littérature parce qu'aucune poétique reconnue ne permettait de les prendre en compte. Cela aura une descendance, comme vous le savez, avec les égouts de Hugo ou la charogne de Baudelaire. Cependant, loin de se réduire à ce registre noir que Mercier désigne comme celui de ses pinceaux rembrunis, la voirie lui offre aussi des perspectives riantes et des métaphores heureuses de son travail d'écrivain. Inventeur d'un style très libre, accordé au hasard de sa déambulation, Mercier aime tout ce qui est de l'ordre d'une collecte aléatoire. Le tableau de Paris offre quelques emblèmes secrets de cette poétique originale,
comme par exemple l'image des filets de la Seine à Saint-Cloud, qui retiennent tout ce qui se présente au fil de l'eau. On trouve souvent dans ces filets les plus singuliers débris que le hasard entasse pêle-mêle et que la Seine a charrié de la capitale. Ou bien le personnage du trouveur, c'est un chapitre du tableau de Paris, qui vit des objets perdus qu'il ramasse au petit matin, surtout le lundi, parce que les gens se sont promenés le dimanche, dans les rues de la capitale. Notre œil a 8 muscles. Les 8 muscles de cet homme travaillent le long des routes avec une mobilité surprenante. Pareillement à l'affût, l'auteur du tableau de Paris est guidé lui aussi par un surinstinct de la cueillette qui a indiscutablement quelque chose à voir avec le cinéma. Il n'oublie jamais qu'il est dramaturge. Ce sont des images et des sons qu'il recueille dans sa hotte. Dans Les glaneurs et la glaneuse, Agnès Varda a récemment fait son autoportrait en filmant différentes formes du ramassage dans les champs comme dans les poubelles, qui sont données comme autant de métaphores de son art, fondées depuis le début sur le kairos de la saisie photographique. Mercier développe, lui aussi, dans ses promenades, la même acuité visuelle que l'herborisateur ou la même énergie compulsive que le ramasseur de champignons. Il en vient à comparer son travail d'écrivain à l'inventaire infini de l'huissier priseur et se passionne pour toutes les formes de brocante. En témoignent entre autres les chapitres saisie, déménagement, encan, rareté. La Révolution le conforta dans son thème favori, puisque c'est Paris dans son ensemble qui apparut alors comme une gigantesque salle des ventes. Dans ce grand remue-ménage surréaliste de la Révolution, l'on peut apercevoir, par exemple, une marquise qui se fait ravaudeuse et des ex-religieuses qui trafiquent des perruques blondes. Des mondes piété s'improvisent alors dans des chambres obscures et un peu partout, dit Mercier, se constituent des dépôts secrets d'objets de toute espèce. L'on vit dans les boutiques de fripiers des chasubles qui pendaient à côté de pantalons. Des marchands de meubles exposaient en vente des crucifix parmi des seringues et des devants d'hôtels à côté de chaises percées. Parmi ces visions sidérantes qui seront si souvent reprises dans le roman et au cinéma, j'en retiendrai plus particulièrement deux, parce qu'elles illustrent une voirie tragique de la Révolution, qui est propre à la Révolution. Il s'agit du ramassage des corps et de celui des débris du vandalisme. Le lendemain des massacres de septembre, relate Mercier, je descendais d'un pas lent la rue Saint-Jacques. Immobile d'étonnement et d'horreur, surpris de voir les cieux, les éléments, la cité et les humains, tous également muets. Déjà, deux charrettes pleines de corps morts avaient passé près de moi. Un conducteur tranquille les menait en plein soleil et à moitié ensevelis dans leurs vêtements noirs et ensanglantés aux plus profondes carrières de la plaine Montrouge que j'habitais alors. Une troisième voiture s'avance. Un pied dressé en l'air en sortait d'une pile de cadavres. À cet aspect, je fus terrassé de vénération. Ce pied rayonnait d'immortalité. Il était déjà céleste, celui à qui il avait appartenu, et la dépouille portait un signe de majesté que l'œil des bourreaux ne pouvait apercevoir. Je l'ai vu, ce pied. Je le reconnaîtrai au grand jour du jugement dernier, lorsque l'Éternel, assis sur ses tonnerres, jugera les rois et les septembriseurs. Ainsi s'exprime le républicanisme mystique et antiterroriste de Mercier. Ce pied est promu au rang d'une physionomie reconnaissable. Il est l'emblème de tous les génocides de l'histoire humaine. Ce ne sont donc plus des déchets humains que l'on sent presse de faire disparaître dans les carrières de Montrouge. Cela rejoint une peur ancienne de Mercier. Parmi ces différentes phobies, il y en a une qui remonte à l'enfance. C'est d'être jeté dans les latrines, hein, comme il le rapporte dans le tableau de Paris. Les enfants ont horreur de ces trous infectés. Ils croient que c'est là la route de l'enfer. Telle était mon opinion dans mon enfance. Cette peur le submerge à nouveau dans le moment le plus tragique
qu'il a vécu la nuit du 9 au 10 Thermidor, alors qu'il est emprisonné comme proche des Girondins. Le tocsin sonnait. Nous restâmes dans cette douloureuse anxiété jusqu'au lendemain, où nous vîmes la dalle des latrines enlevée et qui devait sceller notre tombeau, et nous apprîmes très tard la chute de nos tyrans. Il doit sa survie à la chute de Robespierre. Il était emprisonné un an, comme Hubert Robert, d'ailleurs, à peu près en même temps. Une autre collecte émouvante de ces années-là est faite par Alexandre Lenoir, qui parcourt Paris avec une carriole dès 1790, afin de regrouper les fragments des monuments vandalisés. C'est-à-dire que les objets d'art sont au rang de déchets, finalement. Ces fragments furent rassemblés au couvent des Petits Augustins, aujourd'hui le site de l'École des Beaux-Arts, et Lenoir fut nommé gardien de ce dépôt en juin 91. 2 ans plus tard, il permit au public d'accéder à ce dépôt où les pièces qui avaient été sauvées de la décharge publique étaient présentées en vrac. Et 2 ans plus tard, Lenoir ouvrit le musée des monuments français, mais dans ce musée, les œuvres n'étaient plus en vrac, elles étaient classées par siècle, et il y avait 3 salles qui allaient du XIIIe au XVIIIe siècle. Je vous signale qu'il y a d'ailleurs actuellement une exposition au Louvre sur le musée des monuments français. Seul le vandalisme révolutionnaire, l'arrachement des objets à leur site, et on peut dire aussi leur mutilation, avait permis cette présentation par siècle et en quelque sorte la fondation du musée. Mercier préfère, on l'imagine, puisqu'il a vu les 2 états du musée, il a fait deux articles passionnants sur le musée en vrac et le musée classé, il préfère le musée en vrac, et il voit le noir en brocanteur sublime. Tout fut apporté avec soin, mais déposé, rangé, jeté au hasard. Et tout offrit à ce musée l'image irrégulière mais frappante de la confusion des siècles. C'était le véritable miroir de notre révolution. Quel contraste, quel jeu du sort et du caprice, quel singulier chaos. On comprend le désespoir de Mercier quand il revient et qu'il voit tout cela classé par siècle. Ils ont détruit mon temple magique. C'en est fait. Ils ont classé les siècles. Chateaubriand, parce que j'ai fait une étude il y a quelques années de ses visites au musée des monuments français, j'ai confronté celle de Mercier à celle de Chateaubriand et celle de Michelet. Eh bien, Chateaubriand n'est pas loin de penser la même chose que Mercier. Il est beaucoup plus touché par la vision des pièces entassées pêle-mêle. C'est comme les filets de la Seine il y a le terme pêle-mêle que Mercier emploie. Les débris arrivent pêle-mêle dans ces filets. Donc il y a une poétique du fortuit, du hasard, de l'aléatoire qu'il retrouve. Et Chateaubriand retrouve cela parce que dans cette disposition hasardeuse, Chateaubriand déjà a l'intuition de ce que sera dans les mémoires d'outre-tombe sa grande esthétique du composite. Et Michelet, au contraire, préfère bien entendu le moment classé du musée, et il y voit, il est tout jeune quand il visite ce musée Lenoir, et il a la vision de son histoire de France. Une vision éblouie, c'est déjà la matérialisation de son projet chronologique d'histoire de France. Et Michelet a des formules magnifiques, il évoque des œuvres comme des blessés. Et le noir comme un infirmier et le musée des monuments français comme une infirmerie. Et il nous dit que ces pauvres blessés, eh bien, ont enfin le bonheur, dit-il, de converser entre eux. Alors qu'avant, dans leur site, donc Michelet, lui, est tout à fait favorable à l'idée du musée et opposé à l'idée de la brocante. Alors ce débat sur le musée qui est issu tellement paradoxalement du vandalisme, eh bien, n'a cessé de se prolonger et jusqu'à aujourd'hui, mais je signalerai simplement au XIXe siècle, dans Bouvard et Pécuchet, où ce thème est traité avec dérision par Flaubert,
puisque les deux bonshommes hésitent constamment entre la brocante et le musée. Vous savez qu'il constitue un musée et que finalement, ils balancent tous les objets du musée dans le compost, dans le dépotoir. Le compost, où on pourrait entendre le terme de composite, en tout cas de kitsch. Ils se débarrassent de leur collection. Eh bien, dans la néologie, Mercier continue, dans son dernier grand livre, à se faire collecteur, mais cette fois de mots. Et on peut dire qu'il est recycleur aussi, parce que dans ces mots nouveaux, il y a beaucoup de mots anciens. Ce sont des mots du XVIe siècle, que le XVIIe a révoqué, a rejeté. Mercier veut renouer avec la vigueur de Montaigne pour donner une nouvelle jeunesse à la langue. Je veux, pour conclure, évoquer ce dernier Mercier discrédité parce qu'il persiste à livrer le fin mot de sa poétique dans des boutades, certes bizarres, étonnantes, mais qui nous paraissent lumineuses à nos yeux. En vérité, elles ne sont absolument pas comprises par ses contemporains et cela ruine son image d'écrivain. Alors, il y en a une que je trouve étonnante, puisqu'elle résume tout à fait la poétique de Mercier, c'est ses vitupérations contre la reliure, qui n'a pas du tout été comprise par les lecteurs du moment. Mercier fait une charge contre les relieurs. « Entrez chez moi, vous n'y trouverez aucun volume relié. C'est que je tourmente mes livres. Quand j'achète ce qu'on appelle un bouquin, vite, je lui casse le dos. J'ai bien soin de le dépouiller de ses vieilles planches, parce que je veux qu'il s'ouvre facilement sur ma table, à moi facile et complaisante brochure. » Alors, les lecteurs se sont dit, mais il est fou allié. Les relieurs, évidemment, se sont plaints. Il veut nous mettre au chômage. Et un relieur lui promet de faire des dos brisés. Vous savez que par ce moyen, les livres dociles restent ouverts à la page où on les veut. Mercier répondit par une autre provocation, c'est-à-dire qu'il inventa une pétition des brocheuses pour sa défense contre les relieurs. Alors, en vérité, cette critique de la reliure était d'une très grande portée, et c'est en quelque sorte toute la poétique de Mercier, où on voit que se rejoignent le rapport à la ville et le rapport au livre. Mercier ne veut pas que le livre soit emprisonné dans la reliure, il dit dans des peaux de bêtes mortes. Alors, on retrouve la puanteur des déchets. Pour lui, vraiment, la reliure, il aura des peaux de lapin, il dit qu'elles ont des exhalaisons épouvantables, sont pleines de germes. Mais d'une certaine manière, la reliure aussi. Et le luxe peut être de l'ordre du déchet, de la puanteur. Je vous ai parlé des perruques tout à l'heure, où on récupère des cheveux, et ces perruques sont dangereuses. Là, vous avez, finalement, les reliures, ce sont des animaux, et puis, il peut y avoir des germes aussi dans les reliures. Et puis la reliure, c'est quelque chose qui enferme. De même, Mercier ne veut pas que Paris soit entouré de murs. Les murmurants Paris rendent Paris murmurant. Pourquoi ? Parce qu'il veut que l'air passe. Il faut que la Seine puisse jouer son rôle de ventilateur de Paris. Eh bien, le livre non plus ne doit pas être enfermé dans une reliure. Parce qu'il dit, finalement, les livres reliés, ce sont des meubles meublants. Finalement, le livre est mort. Ce sont des bêtes mortes qui font mourir le livre. Les pages sont collées. Un livre relié, on n'ouvre jamais. Donc, il le transforme en brochure. Il voulait, de même qu'il veut que la scène joue son rôle de ventilateur, il voulait que le livre ne soit qu'un souffle. Et il y a une phobie chez lui du figé, du vitreux, de l'animal naturalisé. Il faut que les souffles, pas du putride. Donc, ce refus de la reliure est évidemment un plaidoyer pour l'œuvre ouverte, pour cette écriture fragmentaire que Diderot avait si bien illustrée. Mercier rapporte que Diderot ne se vantait pas de savoir faire un livre, mais bien d'écrire des pages. Il disait, il n'y a que des pages dans les livres. Donc Mercier transforme tous les livres en pages, il n'y a plus que des pages. Et d'ailleurs, Nodier reprendra ce thème de Mercier à propos de Diderot
en écrivant que celui, l'encyclopédiste ne sait jamais, jamais homme ne fut moins l'homme d'un livre et ne s'occupe pas moins à en faire. D'après son dernier biographe, Mercier appelait copeaux ses pensées détachées et les morceaux qu'il ne s'occupait pas de réduire en réunir en corps d'ouvrage. Ces aperçus tellement modernes de Mercier ne furent considérés par ses contemporains que comme les égarements d'un vieil excentrique. On parurent dans la presse des textes qui le montraient remuant dans son bureau, remuant à la pelle des brochures. Eh bien, dans sa dernière vision satirique, le bureau de Mercier ressemble à une monstrueuse décharge, un petit peu à cet atelier de peintre de Francis Bacon qu'on peut voir à Dublin, et qui était évidemment, comme, je ne sais pas si vous avez vu cette image, qui est évidemment l'image du dépotoir. Donc cette dernière image du vieux Mercier discrédité, c'est celle de l'anachorète sur son fumier. Point n'était donc besoin de mettre Mercier à la voirie, comme le souhaitera Barbey d'Aurevilly, puisqu'il s'y était déjà placé lui-même.